Bonjour tout le monde, c'est la sœur Chantal encore devant vous. C'est toujours un plaisir et un honneur de partager avec vous le message qui nous sont chers au cœur aussi. Et c'est pour aussi transmettre la petite connaissance que nous avons. Nous n'avons pas de connaissances infuses, mais nous croyons que chacun a sa part de choses à faire et à apporter à la jeunesse. Aujourd'hui, je veux vous parler... je vais vous parler plus de notre âme, comment préserver notre âme. Et je tirerai ces livres, le passage, je lis dans le passage de Matthieu 10, verset 28, nous allons lire avec vous. Ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et... aujourd'hui, nous trouvons que nous, la jeunesse, nous nous enfantons plus de beaucoup de choses. Et je dis ça concernant une vidéo que j'ai vue hier sur TikTok. Il y avait un jeune qui était initié dans la franc-maçonnerie et qui prenait des vidéos de tout. Et dans cette vidéo-là, dont il montrait les initiations, comment ça se faisait, la vie qu'il faisait avec cet argent-là, de nouveaux cris de voitures, de nouveaux voitures, toutes les marques qu'on peut imaginer. Et ce qui m'a vraiment fait très mal, c'est que quand je parcourais le commentaire, il y avait beaucoup de jeunes qui disaient « Montre-nous aussi les chemins, comment est-ce que tu as fait ? On doit faire tout pour avoir l'argent. » Et je vous assure que ce jeune n'a même pas 21 ans. Il n'a même pas 21 ans. Parce que je vis, c'est comme maintenant, la barbe commençait à pousser. C'était vraiment un très jeune garçon. Et ce qui m'a plus choqué, c'est que au moins 32 commentaires que j'ai lus, tous demandaient le même chemin. Ils veulent passer par ce même chemin-là. Et c'est l'acte de vendre son âme au diable. Nous devons préserver notre âme. Et c'est pas que cet acte-là m'a vraiment choquée, mais c'est la réaction des autres jeunes qui étaient aussi influencés. Parce que c'est une décision personnelle que les gens prennent. Et je vois aussi, c'est plus aussi la société où nous venons, la famille où nous avons grandi. Peut-être que tu viens même d'une famille chrétienne où tes parents t'ont montré le chemin de l'Éternel. Mais parce que tu trouves que, à part... en rentrer dans des sectes, il n'y a rien que tu peux faire, tu puisses faire pour avoir l'argent. Tu te négliges, tu oublies même la puissance et la force que Dieu a mis en toi. Tu décides de vendre ton âme. Mais est-ce que tu sais que déjà là, tu signes, c'est juste droit à l'enfer. Donc, il n'y a plus de décision pour dire que non. Aujourd'hui, si je vends mon âme, Dieu pourra encore me pardonner. Tu as vendu la chose la plus chère que Dieu t'avait donnée. L'argent de ce monde que nous cherchons ne nous amène à rien. Et mon message aujourd'hui s'étale sur la jeunesse, préservons notre âme, parce que j'ai trouvé que la jeunesse nous sont perdus. Perdus dans plusieurs choses. Le matériel nous comble beaucoup. Je suis là, jeune comme vous. Je cherche l'éducation. Après l'éducation, je sais que non, je dois chercher un boulot. Après le boulot, je sais que ok, il y a la vie familiale qui s'annonce. Ça, c'est moi. Mais je sais que la plus grande chose que je dois faire, c'est mettre d'abord mon Dieu en avant. La jeunesse aujourd'hui, c'est plus la perversité, le chauve de ce monde. Mais j'ai une question. Après avoir acquis tout ce qu'on cherche dans ce monde ici, qu'est-ce qui suit? Ensuite, qu'est-ce qui suit? La parole de Dieu nous demande de craindre. On ne va pas craindre ceux qui tuent le corps, parce qu'il y a des maladies qui tuent le corps. Mais craignons plutôt ceux qui font périr l'âme et le corps. Tu sais, quand tu vends ton âme, la dernière décision, c'est-à-dire que
Tout moi, je me donne au diable. Je me donne aux actions malsaines. Je me donne. Donc, il n'y a rien que tu ne puisses encore récupérer, dire que non, je vais rentrer à l'Éternel. À moins que tu ne cherches une délivrance. Mais au lieu de passer par ces chemins-là qui ne glorifient pas Dieu, pourquoi ne pas te regarder, dire que Dieu m'a créé? J'ai un souffle de vie. Ça ne s'achète pas, tu es là. Mais il y a ceux qui sont dans des hôpitaux qui manquent ce souffle de vie-là et qui les achètent à un prix très exorbitant. Mais toi et moi, nous sommes ici. Nous nous réveillons, nous pensons que c'est la normale. Non, nous devons tout à notre Dieu. Et quand j'ai dit ça, c'est avec amertume parce que je regardais les enfants qui demandaient ça, ils n'ont même pas. Je vous dis vraiment, c'était très, très, très amer. Aujourd'hui, la jeunesse, nous sommes en train d'être perdus. Pas parce que nos parents ne nous ont pas bien élevés, mais parce que nous sommes gourmands, parce que nous voulons des choses de ce monde. Moi, je ne vais cesser de marteler sur ce point parce que c'est une chose que tu vois dans différentes versions. Dans différentes versions. Aujourd'hui, c'est les filles à la prostitution, le jeune garçon qui cherche les derniers cris des voitures, le jeune fille qui entre dans des cultes, des sciences occultes qui les poussent à faire des choses malsaines. Toi et moi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, jeunes que nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ, il a servi ici sur cette terre, dans sa jeunesse. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui me manque? Nous devons préserver notre âme. Ne soyons pas ces jeunes-là qui courent après les biens matériels. Oui, nous avons tous besoin de la stabilité. Nous tous, toi et moi, nous avons besoin de la stabilité. Mais il y a la chose qui surpasse et qui dépasse tout. C'est notre vie spirituelle. Est-ce comment tu marches? Ta vie spirituelle, il faut regarder comment est ta vie spirituelle. Est-ce que tu prends 90% de ton temps? Tu es après les choses de ce monde. Les 10%, c'est des futilités aussi. Tu n'as pas le temps de regarder ton âme, ta vie spirituelle. Et quand j'ai dit ça, je regarde même les enseignements de frère William. Si vous regardez bien, vous entendez très bien. C'est plus sur jeunesse, vraiment, il encourage trop la jeunesse. Et quand je dis frère William, il est un parmi d'autant d'autres. Mais nous entendons par ici et ça sort de l'autre côté. Préservons notre âme, mes chers frères et sœurs. Les biens de ce monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Et même quand la Bible nous dit de craindre ce qui fait périr l'âme, cela veut dire que il n'y a plus rien pour toi. Rien, rien, il n'y a plus rien pour toi. Vis ta vie normale. Ton éducation, si tu as une vie familiale, ta vie familiale, ton travail, gagne le pain légitimement et honnêtement. Ne cherche pas à faire trop extravagant. C'est parce que nous voulons plaire à d'autres personnes. Mais à quoi te sers-tu de perdre ton âme juste pour plaire aux humains qui s'en foutent même de toi? Avez-vous remarqué qu'après, 2 jours de mort, après la mort, 2 jours où tu es dans les tombeaux, il n'y a plus rien pour toi. La chair dont nous prenons vraiment soin, elle pourrit. Tes amis qui étaient aux alentours, qui t'appelaient presque chaque jour, ah, c'est fini, il est parti. D'un mois, 2 mois, tu es oublié. Ta famille va commencer à se souvenir, oh, si telle était ici, il allait faire ça. Si telle était ici, il allait faire ça. Mais après un certain temps, tu es dans l'oubliette. Après la mort, où vas-tu? Tu as bien beau travail sur cette terre. C'est bien, c'est encourageant. Mais comment est ta vie spirituelle? Et quand j'ai dit ça, c'est parce qu'hier, j'avais vraiment mal. Qu'un jeune qui poste, il filme comment on est en train de les initier. C'était tout un culte. Et les autres dans le commentaire,
disent, montre-nous le chemin. Comment faire pour arriver là-bas? Donc tu trouves que la jeunesse a perdu l'espoir. La jeunesse a perdu l'espoir. Tu n'as même pas encore fini l'école, l'université, même l'école secondaire. Tu commences à vouloir des choses qui peut-être, je ne sais même pas si ta propre famille, ton père a déjà trouvé même, je ne sais pas, c'est 1 million de dollars pour s'acheter ce genre de voiture, ce genre de luxe que tu veux. Mais où va ton âme à la fin? Regarde, ne regarde pas maintenant parce que tu es vivant, tu regardes, je suis belle, je suis beau, j'ai de l'argent, je suis famous, hein? J'ai dans mon quartier, c'est tout le monde qui me connaît. Dans ma famille, je suis le seul riche. Mais oui, c'est bien. Mais la richesse, le bien mal acquis, c'est pas ce dont Dieu nous demande d'acquérir. Parce que quand Dieu a fait des promesses dans sa parole, il a dit qu'il a des projets de paix et de bonheur. Ce n'est pas le malheur. Parce que ces biens-là, tu les acquis par dans la voie maléfique. Et c'est comme ça que le diable donne avec cette main, il reprend avec l'autre main. Et quand il te donne, c'est la moitié de ce que tu as demandé ou bien. Ça te, donc tu deviens comme enivré, en fait, tu perds tes sens propres. Mais en fait, il va prendre 90% de ce qu'il t'a donné. Donc, il te donne 10%, il prend 90% de ta vie. Quel genre de sacrifice que tu vas faire? Je suis capable de tuer le membre de ta famille juste pour l'argent. Capable d'ensorceler, je ne sais pas, de faire quelle sorte de sortilège, de choses maléfiques, juste pour dominer sur ce monde. Mais est-ce que toi et moi avons cherché la face de l'Éternel pour nous dire, pour nous faire l'introspection, nous dire que non, au-delà de ces choses que je vois sur ce monde, dans ce monde ici, il y a le Dieu qui m'aime. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur, chers frères, chères sœurs. Genèse, nous avons la valeur aux yeux de Dieu. Ce que notre Dieu a fait dans sa jeunesse, je vous assure que quand il nous regarde, il ne voit pas en nous ces genres de personnes qu'il nous a créées. Il n'a pas créé ces genres de personnes qui sont useless, des gens qui sont sans projet ou des gens qui sont sans valeur. Non, tu as de la valeur, jeunesse. Je nous exhorte tous aujourd'hui, frères, sœurs, mes frères et sœurs, de nous conscientiser, conscientisons-nous sur notre vie spirituelle. Et hier, j'ai vu une sœur, c'était toujours dans TikTok, qui dénonçait des choses sur les sciences occultes qu'elle a eu à faire. Et je vous assure, il n'y avait rien de bon. Rien de bon. Au contraire, on va te donner les 1 million, je ne sais pas, de dollars ou je ne sais pas, de sorte de monnaie que tu cherches. Mais combien as-tu perdu? Tu ne dors plus la nuit. Tu n'es plus en paix. Des voix qui crient dans tes oreilles. Les choses qui vont très mal physiquement. Tant que tu n'as pas fait des sacrifices, il n'y a rien qui va pour toi. Ma soeur, mon frère. Revenons à notre Dieu, nous avons de la valeur. Craignons les choses qui font périr l'âme et le corps. Et c'est ça les diables. Le diable ne vient que pour dérober, pour voler. Et la conscience, il faut chercher aussi. Je vois beaucoup de jeunesse aussi se perdre dans les choses que nous entendons. La comparaison aussi. Je ne vais cesser de parler à la jeunesse sur la comparaison. Nous sommes là, nous sommes ces cadeaux que Dieu a mis dans nos familles. Marchons dans la droiture. Évitons les choses qui font périr notre âme. Préservons notre âme. C'est la chose la plus chère que nous avons. Il y a des moments où je me demande, si ce n'était Dieu, où serons-nous aujourd'hui? Si ce n'était Dieu, où serais-je aujourd'hui? Parce que la jeunesse, nous traversons beaucoup d'étapes qui sont vraiment, vraiment, vraiment fragiles. Et c'est le moment où le diable est capable de nous tenir par, je ne sais pas, par la tête et dire que cette âme appartient. Regardons l'adolescence. Combien de crises d'adolescents que nous faisons dans nos familles?
Et si ta maman, ton père ou tes frères et sœurs ne te mettaient pas dans la prière, tu penses que tu serais ici où tu es aujourd'hui? Préservons notre âme, mes chers frères et sœurs, préservons-la. C'est avec amertume que je vois la jeunesse aujourd'hui. Toc de porte en porte pour chercher des sciences occultes, je ne sais pas, pour signer des contrats avec, je ne sais pas si des Illuminati, des choses juste maléfiques. Tu es là, toi et moi. La seule richesse que nous avons, c'est la parole de Dieu. Elle parle à notre âme. Dans notre corps, notre âme, notre esprit, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. Et je vous rassure aujourd'hui, la jeunesse, qu'il n'y a pas un plus grand prophète que toi-même dans ta vie. Lis la parole de Dieu. Regarde les promesses que Dieu a mises dans ta vie. Tout est clair. La consigne que Dieu nous donne ici, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui peuvent tuer l'âme. Fuyons loin de nous, loin de nous, les choses de vouloir satisfaire les gens de ce monde. Ok, après avoir satisfait ce monde, qui s'en fout même de toi? Et ces gens s'en foutent carrément de toi, ils s'en foutent. Parce que si un malheur t'arrive aujourd'hui, la même personne avec qui tu partais faire de mauvaises choses, quand tu toques à sa porte, la porte est fermée. Elle ne sera pas ouverte. Pourquoi? Parce que tu as décidé de changer une direction, tu as pris une nouvelle direction, ou bien parce que tes choses n'ont pas pu marcher comme tu l'espérais. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. La chose la plus précieuse que nous avons, c'est notre âme. Et quand je dis notre âme, je regarde. Quand nous dormons, notre esprit ne dort pas. Notre âme est éveillée. Mais tu es là aujourd'hui. C'est toi. Le matin, on te dit, hein, il y a un prophète tel qui est sorti. Il fait des miracles. Il faut juste acheter son eau. Parce que dans l'eau, il a mis les sels, il a fait des incantations dessus. C'est l'eau qui guérit. Tu peux prophétiser. Pas que tu peux. Tu prophétises sur ta vie toi-même. Prophétise sur ta vie toi-même. Tu prends ces mêmes mots, tu déclares par la parole de Dieu, Seigneur, tu as promis ça et ça et ça dans ta parole. Je veux le vivre dans ma vie. La jeunesse, on oublie, on attend que le pasteur impose des mains sur nous. Et c'est comme ça que même d'autres perdent leur sens de raisonnement à cause de courir après d'un pasteur à un autre. D'autres perdent leur âme comme ça, en train de courir d'un pasteur à un autre. Pourquoi? Parce que nous voulons le miracle. Mais non, mais non. Mais je t'ai dit, jeune, jeune comme moi, tu es capable de prophétiser dans ta vie. Tu es capable de faire des choses que même un prophète ne peut faire dans ta vie. Mais toi seul, avec la parole de Dieu, mon frère, la parole de Dieu, tu es capable de les faire. Arrêtons de faire des suivismes moutonniers. Préservons notre âme. Et quand je dis préservons notre âme, cherchons, sélectionnons les choses à écouter, sélectionnons des choses à parler, gardons nos bouches. Écoute beaucoup, parle peu. Enfonce-toi dans la parole de Dieu. Il y a la vérité, je vous dis. Et quand tu vas découvrir cette vérité, il n'y aura plus rien qui pourra te faire craindre dans ce monde. Nous craignons beaucoup parce que oh, nous sommes en train de grandir, je ne suis pas encore mariée. Je suis en train de grandir, je n'ai même pas encore construit une maison. J'ai grandi, je n'ai même pas encore acheté une voiture. Ce n'est que des choses matérielles. Aujourd'hui, tu t'élèves le matin. Est-ce que tu as pris ton temps de dire merci au Dieu qui t'a créé? Merci pour le souffle de vie. Mais tu t'élèves. Est-ce que j'ai repassé ma chemise pour aller au boulot? Est-ce que j'ai. Donc, ce sont plus le matériel. Nous oublions notre vie spirituelle. Des façons dont tu alignes ta vie physique. Fais-la 10 000 fois pour ta vie spirituelle. Parce que elle compte plus que cette vie physique. J'ai dit encore, j'ai réitéré mes propos, elle compte plus que cette vie physique que nous vivons ici. Faire plaisir aux gens ne t'amènera pas près de Dieu, mais faire la volonté de Dieu, oui.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui. Quand tu vois même des mamans qui, au lieu d'inculquer des valeurs à leurs enfants sur les réseaux sociaux, ce sont eux maintenant qui exposent leurs enfants à danser, à... Je ne sais pas, je ne sais pas si au moins on prenait ce temps-là pour enseigner la parole de Dieu. Bien sûr, il y a un temps pour tout, mais inculquons des valeurs à nos enfants. La jeunesse, lèvons-nous. Parce que quand je regarde comment le monde va aujourd'hui, je peux dire que le monde va mal. Et si tu n'as pas Dieu, chers frères et sœurs, il y a rien pour toi, rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire aujourd'hui. Mais je préfère m'arrêter par ici aujourd'hui. Mais je vous prie vraiment de préserver votre âme. Préservons notre âme. Et cherchons Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Chantal, pour ton exhortation. Sois bénie et passe une très bonne journée. J'espère que la jeunesse a compris. Alors, je te souhaite très bonne journée. Merci pour ce que tu fais. Que Dieu te Merci pour garde, votre qu'il puisse te bénir. Je prie que Dieu te fasse avancer et que Dieu préserve ton âme aussi de toutes choses. Amen. Bye Merci et pour bonne votre prière. journée. Bye.